D'abord, merci de nous avoir invités à présenter la démarche qu'on a baptisée PAIS. PAIS, ça s'écrit comme maïs avec un P. Voilà. Donc, l'idée, c'est d'insister sur le fait que l'organisation qu'on a mise en place, il y a déjà plus de 10 ans et qui fonctionne toujours, s'attache à un territoire qui dépasse le cadre de la commune traditionnelle. Donc, l'idée de PAIS ou de pays en français, c'est l'échelon de 15 000 à 25 000 habitants que ça se déroule, vous voyez. La démarche a été initiée avec un praticien hospitalier, le docteur Badamassi, qui était alors responsable du SAMU, du SMUR et des urgences. Et moi, donc, je suis directeur d'hôpital, aujourd'hui directeur d'hôpital honoraire, et j'étais alors en poste au centre hospitalier de Blois, et nous étions surpris et peinés de voir de nombreux patients qui séjournaient dans nos urgences hospitalières et qui auraient été certainement mieux pris en charge par leur médecin de proximité. Mais on était alors en Loir-et-Cher et le Loir-et-Cher était frappé, comme malheureusement beaucoup de départements aujourd'hui, par la désertification médicale et notamment du côté des généralistes. Et dans notre démarche, cette fameuse démarche PAIS, s'attache principalement à l'organisation des médecins généralistes. Alors, à l'échelle d'un pays de 15 000 à 25 000 habitants, on a essayé de trouver des médecins volontaires pour travailler autrement. Et pour cela, on leur a proposé 3 compléments financiers avec 3 organisations à la clé. Vous voyez, je pense qu'il faut insister sur la simplicité de la démarche. C'est ce qui surprend toujours nos interlocuteurs. 3 compléments bien ciblés. Le premier permet de filtrer les appels reçus par les médecins, ça veut dire qu'on renforce leur secrétariat médical. Le 2e complément financier les incite et les amène à prendre en charge chaque jour à tour de rôle les soins sans rendez-vous, c'est-à-dire ce qu'on appelle les imprévus. Et le 3e et dernier levier financier, qui est majeur surtout dans le contexte que nous connaissons aujourd'hui et que nous ne connaissions pas à l'époque, qui maintenant rencontre un écho très favorable, c'est grâce au temps qu'ils gagnent, notamment avec l'organisation que je viens de décrire sur le filtrage des appels reçus et sur l'organisation de la prise en charge des soins imprévus, de réinvestir le champ de la prévention et l'éducation du public qui est généralement délaissé. Donc, 3 compléments financiers et un accompagnement qui prend la forme d'un pilotage et d'un soutien à l'ingénierie pour épargner aux médecins toutes ces difficultés qui consiste à mobiliser des ressources financières, à rendre des comptes. Ça, c'est fait de manière tout à fait distincte des médecins généralistes, auxquels, encore une fois, j'insiste, on s'adresse en priorité. Voilà. Donc, ce projet, qui n'est plus un projet maintenant, puisque c'est une réalité, concerne à ce jour 35 médecins généralistes installés dans le Loir-et-Cher. Ils couvrent à peu près une population de 60 000 habitants. Il y a 3 PAIS, 3 organisations qui répondent à ce schéma. Et le conseil départemental, qui est notre principal financeur, avec les communautés de communes, soutiennent très fortement ce projet, puisqu'il est en passe d'être généralisé à l'échelle du département de Loir-et-Cher. Et on doit citer aussi une autre implantation qui a démarré dans le secteur de Pau, à Naï plus précisément. Voilà, donc c'est une démarche issue du terrain, initiée par des hospitaliers, et qui, 11 ans après, fonctionne toujours et s'étend, malgré des difficultés inhérentes, sur lesquelles je reviendrai tout à l'heure, inhérentes au financement. Alors, en fait, moi, j'ai été appelé par l'ARS de Centre-Val de Loire pour évaluer donc ce dispositif en tant que professeur des universités et géographe de la santé. On m'a demandé donc de regarder l'impact, de faire une étude d'impact pour savoir effectivement si ce dispositif était pertinent. Les difficultés, ça a été de récupérer les données du SNIRAM pour pouvoir avoir une analyse la plus complète possible.
et la plus juste possible. Donc, ça a été des démarches qui ont tenu bien 6 mois, hein, le temps que tout se fasse, en passant par les autorisations CNIL, entre autres, puis ensuite les disponibilités de chaque bureau de la DSIRC, enfin des noms absolument abominables de la Sécurité sociale, qui nous ont permis finalement d'accéder à ces données. Alors, une fois que les données ont été disponibles, nous avons mis en place une évaluation territoriale, un diagnostic territorial assez simple et assez traditionnel à travers 2 méthodes connues de tous les épidémiologistes, hein, à savoir, on est parti sur une enquête cas témoin, une zone témoin et une zone cas, le cas étant la zone pays qui était retenue là, de 15 000 personnes. Et ensuite, on a utilisé différents indicateurs, des taux bruts bien sûr, mais surtout, on est parti sur la notion d'indices comparatifs, hein, qui sont les fameux indices comparatifs de mortalité que l'on utilise en épidémiologie et que nous avons transposé à la morbidité de la médecine de ville, consultation, et nous avons donc construit des indices attendus, observés, qui nous ont permis de définir effectivement si, en ayant gommé l'effet âge, les effets de consultation de cette zone K, donc PEIS, étaient plutôt bien lotis ou moins bien lotis en termes d'impact de santé. Alors, première chose, on a étudié les recours aux urgences, je reviendrai sur les résultats rapidement, et sur éventuellement une économie financière générée sur cette zone en termes de consultation. Donc, l'idée, c'est qu'effectivement, après avoir construit les indicateurs et comparé les 2 zones cas témoins, nous avons sorti comme résultat, premièrement, donc sur la zone PEIS de 15 000 habitants, une économie intéressante sur la consultation par elle-même. Alors, on arrive à des choses assez paradoxales, c'est-à-dire que on a eu une économie dans cette zone de 3 600 consultations, ce qui correspond quand même à 83 000 euros d'économie sur 15 000 personnes sur un an. Donc, c'est quand même intéressant par rapport à la zone témoin qui, elle, n'avait pas de dispositif témoin, de PEIS. En termes d'hospitalisation sur le diabète, on est resté sur des choses assez non significatives, c'est-à-dire qu'il n'y a pas plus d'hospitalisation, il n'y en a pas moins. Mais bon, on était sur les zones non significatives, hein, mais en termes de chiffres bruts, au lieu d'avoir 73 attendus, on en avait 71 observés. Donc, on est quand même, c'est non significatif. Ceci dit, ça n'a pas empiré, au contraire, les choses. Enfin, sur le transport également, on aurait pu penser que le transport aurait été plus sollicité. Là aussi, une économie de 628 transports dans l'année sur une population de 15 000 habitants, ce qui fait qu'on a des taux pour 1 000 personnes de 42 au lieu de 62 pour la zone témoin. Donc, vous voyez quand même que ce n'est pas anodin, avec des gains importants également financiers économisés, hein, bien sûr. Et enfin, la dernière chose qu'on pouvait se poser comme question, c'est est-ce que finalement ce dispositif maintient un état de santé correct ou est-ce que finalement il y a des renoncements aux soins qui peuvent s'opérer et donc entraîner peut-être un état de santé moins bon. Eh bien, nous avons mesuré toujours de la même manière avec nos indices comparatifs de mortalité, hein, sur la population totale et sur une période de 4 ans, hein, qui était comprise à cheval sur la zone, la période étudiée. Nous n'avons pas de différence significative d'état de santé, c'est-à-dire que là aussi, le dispositif permet de dire que les populations sont traitées de la même manière, enfin, l'état de santé est égal dans la zone témoin que dans la zone PEIS. Au final, donc, nous avons un dispositif qui, pour nous, en termes de santé publique, nous montre une population prise en charge convenablement, avec des économies éventuellement du transport. Sur le diabète, qui était un indicateur que nous avions pris, pas de différence significative. Et également, sur les consultations de ville, une économie, donc, comme je le disais en propos liminaire tout à l'heure, de 83 000 euros sur une population de 15 000 personnes. Si on fait une extrapolation sur les 300 000 du département, vous voyez que ça peut devenir quand même quelque chose d'intéressant. Voilà. Alors, pourquoi paradoxal, disais-je tout à l'heure? C'est parce que j'avais, moi, l'impression, en tant que chercheur, que normalement, ça aurait dû générer plus de consultations de ville. Et finalement, quand on regarde les travaux de la littérature internationale, notamment sur les travaux de Barba
Barbara Stansfield. On retrouve un peu au niveau local ce que Stansfield avait écrit il y a quelques années, et qui disait que finalement, quand un système de soins de primaire, puisque son livre était Primary Care, donc c'est les soins de santé primaire, quand on regarde ce travail de Barbara Stansfield au niveau international, on retrouve finalement les mêmes effets au niveau local, et c'est ça le plus intéressant en termes de chercheur que je suis, c'est de voir qu'effectivement, sur une échelle plus locale, la confiance générée par un système de soins primaire entraîne des économies de santé, et j'ai pu, donc, à travers cette évaluation commandée par l'ARS, comme je vous le disais, en termes, je suis totalement indépendant dans cette affaire, constater le fait qu'effectivement, la confiance entraîne une économie certaine des dépenses de santé. Donc, moi, ce que je voulais souligner en complément des propos que vient de tenir le professeur Massé, c'est qu'avec près de 11 ans d'expérience, le dispositif est respecté quotidiennement, qu'on observe une amélioration des conditions de travail des médecins généralistes de proximité, on combat la désertification médicale, puisque chacun de leurs départs a été remplacé, qu'il y a une mutualisation des outils, qu'on a réduit l'hospitalocentrisme, notamment le recours aux urgences, et qu'on a réhabilité la prévention. Donc, puisque je suis aussi au départ un peu financier, on a pu mesurer qu'un euro consacré au dispositif, qui concerne les trois compléments financiers dont j'ai parlé tout à l'heure et les frais de pilotage, qu'un euro consacré à PAIS en a porté cinq. Voilà. Principalement, on en a parlé, hein, les économies sur le recours aux urgences, puisqu'on a un tiers de recours en moins par rapport au recours aux urgences qui était attendu, notamment chez les personnes âgées. Une thèse médicale m'a permis de montrer 20% de recours en moins pour les plus anciens parmi nous. Les consultations des médecins, on l'a dit, qui a baissé de 5% à peu près. Puis les transports, c'est quand même en pourcentage 21% de moins à ceux qui étaient attendus. La problématique essentielle, pour finir sur cette question, pour moi, elle est inhérente au fait que tout projet issu du terrain, parce que là, on a dit, c'est une initiative made in Blois, tout projet issu du terrain, dans un pays comme la France, qui est quand même assez centralisateur, il faut bien le dire, rencontre une certaine frilosité de la part de l'échelon central, ce qui renvoie donc, même si au départ on a bénéficié d'une aide forte de l'Agence régionale d'hospitalisation et de l'Union régionale des caisses d'assurance maladie, aujourd'hui on est obligé de se tourner non pas vers les financeurs institutionnels qui privilégient des solutions made in Paris, mais vers des financeurs locaux, comme je l'ai dit, le conseil départemental et les communautés de communes, ce qui présente un risque parce que ce ne sont pas des financeurs traditionnels de la santé. Alors, moi, j'aurais tendance à dire que c'est relativement simple parce qu'avec PAIS, on prend l'offre en l'état. Ça veut dire qu'on n'impose pas aux médecins généralistes de proximité de se regrouper préalablement. Ils restent, au départ en tout cas, dans leur cabinet d'origine. Donc, en deuxième lieu, ce que je voulais dire, c'est qu'on dispose d'une expérience de plus de 10 ans qui peut être mise à profit par d'autres établissements qui voudraient s'engager dans cette voie. La transposition est relativement simple puisqu'on prend l'offre en l'état. On n'impose pas aux médecins généralistes de proximité de se regrouper préalablement. Donc ça, c'est un élément de simplicité. On dispose d'une expérience, comme je l'ai dit, de plus de 10 ans, qui favorise le partage de nos acquis. Il faut songer aussi à mobiliser des ressources pour le pilotage et l'ingénierie. Et je dirais que les établissements hospitaliers ont souvent ce type de ressources et de compétences. Quel est l'intérêt à agir pour les établissements de santé? Je terminerai là-dessus. C'est d'abord d'améliorer les relations avec les généralistes, ce qui est essentiel, de supprimer le recours aux urgences et aux hospitalisations inutiles. On a parlé tout à l'heure des patients diabétiques, mais il y avait quand même une tendance très, très positive pour nous, bien que ce soit sur une population volontairement limitée dans l'étude et l'évaluation qu'a conduit le professeur Massé. On a donc, par là même, une réduction des hospitalisations non programmées. Le développement de la prévention, c'est également très positif parce que ça permet, là aussi, de réduire l'hospitalocentrisme et puis de permettre à l'établissement de mieux réguler des hospitalisations programmées, de mieux utiliser ses capacités d'accueil. Et dans les situations de crise ponctuelle ou malheureusement générale comme celle que nous connaissons aujourd'hui, c'est, je dirais, une question quasiment de survie. Je dirais pour terminer, c'est ce que nous a fait apprendre cette démarche ou réapprendre, hein, c'est que quand la médecine générale tousse, c'est l'hôpital qui s'enrhume. Et c'est particulièrement vrai aujourd'hui.
Il faut impérativement favoriser des initiatives, y compris celles qui sont issues du terrain, parce que malheureusement, ce qu'on observe, c'est que les solutions nationales, qui sont certainement très ambitieuses et parfaitement justifiées, tardent à se développer parce qu'elles nécessitent des prérequis qui sont très très lourds à réunir, alors qu'on peut, à bon compte, comme on voulait le démontrer aujourd'hui, faire avancer la médecine de proximité et alléger la charge de l'hôpital, qui en a grand besoin aujourd'hui, de l'hôpital et de ses professionnels.